Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend des l'air ou attendez-nous ici, Kangé. Nous sommes là et pour essayer de faire une courte analyse et juste avant de commencer. Et nous aimerions avoir votre participation, même si vous de votre présence. Et cette déclaration que nous allons écouter, daté de 23 septembre 2024. OK, vous connaissez moi mais bah référence sur 23 septembre 2024 et cette déclaration est datée et là dedans nous pas attendre et là besoin attention en pile en attendant 23 septembre 2024 nos chèques de $50 pour 23 septembre 2024 supporter le mouvement NAACP. NAACP, bon, il connaît l'histoire, l'histoire des Noirs ici aux États-Unis. NAACP, c'est une organisation qui campait, qui fait avancer les valeurs, les prérogatives, les droits ici aux États-Unis. Il n'y a pas le cap supporter le mouvement. Et valeurs qui ont été gagnées, qui ont fait ça, c'est que injustice yon côté, c'est injustice d'autre côté. Ça, c'est. Nous attendons, là c'est 23 septembre 2024, il est très important pour vous capable d'attendre et au même mois porter jugement par vous. 23 septembre 2024 et demandez une attention pour nous capables ouais, pour nous capables essayer de comprendre. Là il va parler d'intégrité, valeur, etc. C'est lui-même de pasteur parler. Du mouvement en fait, Martin en anglais, we all remember that the Jews were victims of the Nazi movements in Germany and how they died in they died massively in the Auschwitz. Songez bagay sa pou ki konnen un peu l'histoire des Juifs. Donc, papal qui était conscient de cette réalité, bien que c'était pas sa race, mais qui comprenne les enjeux, il trouvait que c'est normal. Pour que, même s'il parle en pile, il supporte ce qu'il a fait là. Ça, c'est son valeur. What? Aïe, aïe, aïe. Par contre, comment on parle? Il y a des bagailles, mais non, pas à pas. Qui valeur qu'on gagne par rapport à l'humain? À l'humain qui est différent de toi. À l'humain qui n'est pas nécessairement ton ami. L'humain qui n'est pas nécessairement de ta race ou de ta classe, qui va l'orgueiller? Et pour capable de juger l'intégrité au monde en fonction de consistance valeur que le gagne. Justice for all, fairness for all, honesty in all interactions. Ces gens de bagages sont mes amis qui font nos mondes mouillés. Am I a fair person? Am I a just person? Am I an honest person? Et, pas qu'on est si c'est une midlife crisis, but sa réflexion récemment me pose un devoir d'arrêt. Un devoir d'arrêt. Pour me camper, pour me dire, quelles sont vraiment mes convictions? 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 Et je voulais râler dans le ça tout. Quelles sont tes convictions? Oh, gars, il y a un pile de qui nous doit faire nous compromettre nos convictions. Oh, petit chèque là. Ah, petit chèque là. Yeah. Job. Job. I know what's happening at work is wrong, but I have to keep my job. I have mouths to feed, pastor. Opposition indécente, ils n'ont pas dit rien. Juste à jouer le jeu, because you have ce chèque là. Oh, pass. I have to keep my job. Oh, on l'autre bagaille. C'est position l'église là. Ouais, ça qu'a fait là. Pas normal. Ou elle pas bon.
mes dispositions attachées à elle. Oh, deux poids, deux mesures. Ah, ses frères et tels, ou bien ses petits frères et tels qui fait tel bagaille. Yi, frères et tels sont. Frères et tels sont grands zouzoun. Frères et tels sont grands zouzoun. Et ces petits, l'autre là, oh, zoun chez sa marraine, est devenue la proie facile de ces messieurs déguisés en pasteur, blouse et les soutanes. C'est zoun. Zoun chez sa nène. Ta réaction est différente parce que. C'est Zoun, c'est ça, Nene. Des fois, on a privé nos moments, et c'est ça que tenez bien, ça va tout là. Et hier soir, on a eu quelques amis, on a échangé. Il y a une raison qui fait qu'on doit demander mon Dieu pour riche. Il y a une raison qui fait qu'on doit demander mon Dieu pour prospère. C'est que la pauvreté compromet souvent l'intégrité. La pauvreté compromet souvent l'intégrité. En réalité, on a supposé dire la pauvreté révèle l'intégrité. Mais la pauvreté peut compromettre l'intégrité. Vous ne pouvez pas faire café parce que vous n'avez pas de moyens, vous êtes obligé de boucher nous, vous valez nos sentiers. Mais en dedans, vous connaissez ce qu'a fait là-bas. En dedans, vous connaissez, ce n'est pas juste. En dedans, vous connaissez, ce n'est pas normal. En dedans, vous connaissez, ce n'est pas honnête. Et tu l'acceptes. Ah. Ce que tu acceptes aujourd'hui t'affectera demain. Ma chambre les amdoulala. Ma chambre les amdoulala. Ce que tu t'affectes. Si au Gagosé. Donc, le Seigneur nous appelle, le Seigneur m'appelle personnellement, et vous même ensemble avec moi, dans voyage ça pour être capable de reconsidérer nos valeurs. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie. Pensons pour ta descente là. Ouais, au monde qui intègre, conseil de valeur, même le. Les sous pression. La fête, tout ça dépend de lui pour le Kébi. Parce que c'est valeur ça qui lui-même. Nous songez, t'es gagné un groupe. Nous songez ça, t'es gagné un groupe. Of Navy Seals. Navy Seals. Pour le monde qui connaît un peu de structure et militaire américaine, il connaît que les Navy Seals font partie des soldats d'élite. Soldats d'élite de Navy Seals. Et puis pendant un groupe en difficulté, puis Captain a écrit Under Rapid Non-Stop Fire. Li ap voye yon mesaj ale. Li pren sanl pou l'adrese bien. Good morning, sir. Da 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 da. Goodbye, sir. Proper address. Respect of command. Respect of authority. Mwen tenem bien. Tenem bien. Et mwen mèm kap pala wola, mwen senti bon Dieu ap travay avèm nan sens sa. Le fait que quelqu'un de respecter ou pas mander ou même en tant que monde qui a intégrité pour de respecter le. Parce que si yon nan valeur yon nan principe qu'on gagne ou reconnaître la dignité qui est dans la personne, le respect de la personne humaine. Et Jean on nous dit dans la tradition bouddhiste Namaste. The spirit in me salutes the spirit in you. Donc, si tu reconnais l'humanité de l'autre, si tu reconnais l'image de Dieu en l'autre, même si lui ne te respecte pas, toi, tu le respectes quand même.
chaque semaine, partout. Écoutez bien. The judge. Respecte quand même. On est. Oh, c'est ça, oui. À, lundi 23. Quelqu'un qui vit en fonction. T'as dit oui. Quelqu'un qui vit en fonction de ses valeurs, en fonction de ses mérites. Et pas. Et c'est pas on qui réagit à ça, oui. L'éthique de la situation. Oh, God. Quand le Seigneur commençait à me révéler ces choses, demandait pour approche pour changer. Jean, moi-même, je vais répondre à madame, à Timounio, à mon que m'a interagi dans l'environnement. Jean, que je vais répondre à critique. Jean, que je vais répondre à bagaille qui t'a demandé pour me sortir de mes gonds. Changer tout bagaille. Lundi. Parce que je me rends compte que, en tant que monde que bon Dieu relie pour vivre selon niveau, pour vivre en fonction de la parole, obligé d'opérer différemment. Et tenez bien. Différemment. Lundi 23. Septembre. Et à laquelle, ou plutôt intégrité ça, que le texte a parlé. Il dit heureux ceux qui sont intègres dans leur voie. Il dit oui, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Donc, c'est une intégrité qui chita sous la loi de l'Éternel, pas seulement la connaissance de la loi, mais son application. Donc, je m'applique à observer la loi. Je m'applique à garder la loi. Je m'applique à observer les commandements. My God! Mes amis, nous pouvons connaître tout autant intérêt ou beaucoup en jeu. Oui. À qui est-ce que tu as parlé? À un serveur de bon Dieu, tu as parlé récemment, je vais citer non. Il dit il y a un bagage qui a fait connaître, c'est l'on dit la moune dans l'argent. Faut finir. Yon nan bagay. Ta fò kon moun tout bon vrai. Se lè ou ap dil ak moun nan koze l'ajan. Et c'est ça qui fait gen moun ki pa prete zanmi ou l'ajan. Parce que yo di souvle le kembe ou amitié, pa prete zanmi l'ajan. Ou a saisi pou wè comment on zanmi réagit devant l'ajan ou prete. Visage qui prête ou l'ajan, c'est pas même visage qui vient demander l'ajan. C'est terrible. Est terrible. Et puis tout, on a saisi pour un champ, on agit. Je n'ai fait coquer. Vous posez tête aux questions, on dit waouh. C'est un tel qu'on a souché qu'à prêcher. C'est un tel qu'on a prié. Ça passe dans le moment ça. Dans le moment ça, on a oublié ça où il est intégrité. Il a oublié ça où il est. Peut-être qu'il n'y a pas même qu'on est. S'il y a et si il y a des systèmes de valeurs, il y agit différemment. Pas oublier, il y a pour me parler sur ça. Le bon Dieu prend nous. We have salvation. Salvation, lorsque nous rencontrons à Christ, Christ relève nous répond, we are saved. Instantly saved. Instantly saved. Immediately saved. Momentarily saved, we are saved. Mais il y a un processus. Ce processus, c'est le processus de transformation. Et ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Et comment on a transformé? C'est le... Comment on a transformé? C'est le où se voit Jean dans ce moment-là. Bon, tout dernier bagage, ça, pendant ce phare à préparer, j'ai dit, mais qui ça pourrait transformer? Mais comment on pourrait transformer? Attendez. Pour être transformé par une citation, je vais prendre le téléphone rapidement pour une citation. Attendez, vous avez lundi 23 septembre 2024. Mais ça pourrait être transformé. 23 septembre. Qui pourrait apporter un gros changement dans la vie. Changement. Pour être transformé par une citation que on certain. Et Tupac Shakur, des faits. Mais t'as un peu de nous qui ne voit pas qui est-ce qu'il est Tupac Shakur. Parce que ce n'est pas nous, c'est pas tout le monde qui est brisé à ça ou les communautés américaines, non, surtout pop culture. Mais si il y a mon abalade là, il y a des jeunes, plus ou moins, qui sont capables de tenir Tupac Shakur. Mais qui ça, M. Pradik, va changer radicalement
quelle peut-on être en transformation dans la Bible. Radicalement. Le divin droit. Monsieur dit quoi ça? Écoutez. Just because radicalement. You lost me as a friend does not mean you gain me as an enemy. I'm bigger than that. I still want to see you eat, just not at my table. Tomber les nues. En français, il dit comme ça. Parce que ou perdu m'ta kon zami, Pablo dit que ou gagné m'ta kon ennemi. M'pique pas ça. M'still vle ou manger seulement. Ou pas ka manger sous table. Mais le fait qu'on pas ka manger sous table, Pablo dit que moi m'vle ou pas manger même. Tenez bien. Et ouais, sous ça, ça ka changé. Haïtien, la majeure partie des Haïtiens, l'el gen problème avec ou, li vle déracinou net. Les pavlons vivent même. C'est l'homme. Lundi 23 septembre 2024. Un changement radical haïtien. Je ne dis rien. Je quitte nous. Beaucoup ne dis rien. Spécialement l'homme haïtien. Il parle de fini même. Et tout le monde est déjà choqué. Tout le monde qui dit. Et le fait que nous pas amis, pas les dit obligé ennemi, nous style veut manger seulement pendant la table. Nous prier qu'on mange l'autre table, mais nous pas qu'à manger sous même table. Quelle humanité et quelle sagesse. Quelle humanité et quelle sagesse. You can still eat just not at my table. Ouf. Ouf. As a matter of fact, I can't even pay for the food of your table, just not at my table. I still want to see you prosper, but not in my vicinity. It doesn't have to be in my vicinity. It doesn't have to be in my, I don't have to invite you in my house, but I pray that you have a place to stay. Wow! Mais une parole qui transforme en tant que chrétien, il m'a appris from a rapper who's now dead. Pendant la fini avec enseignement matin sur intégrité, ou connaît au monde intègre si le ou ici associé ça le dit à ça le fait. We preach and teach love. Est-ce que ouvrez l'autre la manger, même si c'est pas sous ta porte là? That's the question. Ou bien, are you so mean? Not only you will not let him eat at your, or let her eat at your table, but you will even bother the people. On a intègre, l'on associe ça le dit à ça le fait. L'on associe sa bouche et abdi à sa main la fait. Ici, cranger. Théorie à la bouche li, et puis main a fait pratique là. Est-ce que tous les deux semblent? At somebody else's table, là, you not only mean you evil. Et ces gens de bagages, ça, moi-même, nectar de bagages, wow. Et ces gens d'enseignement, ça, qui change la mentalité, qui change lundi, qui change la façon de vous. Et c'est ça la renseignement. Ça, c'est pour un monde. Vous ne voyez pas bien au monde. Ça ne veut pas dire pour vous, ou l'autre l'a mouru. Nous ne voyons pas jamais amis encore. Ou qui doit pas jamais en dire à mon nom, ou qui doit pas jamais en parler avec elle. Mais ça va me dire pour pas vouloir elle bien, pas vouloir prospérer. Ou qui doit pas vouloir fouiller dans le séant encore, pour pas perdre fiel ou cette fois-ci. Mais ça pas vouloir dire pour tellement raïl pour pas vouloir elle prospérer. Et sous comprendre l'évangile ça va terre. Ou une sentie transformation a commencé à faire. Ok. Lundi. Elle fait. Cœur, libre à le fait dans la vie, ou libre à le fait dans l'amour, libre à le fait dans l'esprit, ou il me sentit que vous allez comprendre ça qui dit heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'éternel. Amen. Le Seigneur nous appelle à une plus haute éthique. We have to do better. We have to be better. We have to be transformed. Écris pour moi transformé.
problème va l'analyser, le moment va dire 20 minutes. Eh bien, mes amis, nous sommes arrivés à la fin. Je sais que vous m'avez transformé. Lundi, la continuer à intégrité pour transformation, les transformer. Lundi, pour mon badim de Dylan, pour l'analyser. Là, nous sommes lundi 23 septembre 2024. Transformation, intégrité, psaume 119, verset A. Nous continuons dans lundi 24. Demain, mardi 24, transformation à continuer. Allez, lundi. Mardi 24, mes transformations. Mardi 24. On a dit qu'ils sont réalité. Transformation à continuer. Mais nous sommes là. Mardi 24. Même. Transformation. Il faut sentir que. Et c'est un coup là. Ouais, tout autant vengeance n'est pas faite. C'est un coup. You have what we call unfinished business. Bon bagay. Nous comprenons. Ça entendait pendant 20 minutes. Non, c'est lundi 23 septembre 2024. Transformation, intégrité. Moun n'a pas pour dire nous, t'as mais moun n'a mou, etc. Nous t'entendons pas pour le commenter. L'aime a fait analyse à pied devant la bagay. Ça, intégrité a commencé mardi 24, lundi 24, 8h du matin. 24 heures après, intégrité a continué mardi 24 septembre 2024. Toujours intégrité et transformation. This is what you call unfinished business. Son bagay qui commence pas fini, son livre qui ouvre pas fermé. Donc, vengeance, non, je ne peux pas comprendre bagay ça, non, je ne peux pas comprendre, mais son réalité. Donc, vous voyez, c'est une façon de faire la paix. Il va la paix. Il y a deux jours de séparation. Lundi, mardi. Il y a un monde qui écrit un balave là. Il dit coup pour coup, bon Dieu rit. Et ça, c'est sagesse populaire, mais pas la Bible, non? Il va le montrer pour qui raison. Coup pour coup, bon Dieu pas rit. Coupoukou, bon Dieu, Paris, non, pas la Bible. Regarde votre ça rapidement. On rentre plus fort dans l'enseignement. Non. Raison, tenez. When you are wrong, le. On va quand même mal qui arrive, l'on subit une injustice ou bien l'on prend un coup. Et surtout son coup, pas qu'à remettre. Des fois, l'équito avec le sentiment d'être en anglais d'être diminué, en anglais on dit powerless, impotent, avec impotent. Et pour nous mêmes qui songeons un peu, nous qui songeons ça, oui, et quoi, nous pas songeons dans qui classe, soit 6e ou 5e, probablement 4e. Et pour nous mêmes qui songeons un peu, lorsque nous les pièces classiques, pas songeons dans qui classe vous faites ça, mais les pièces classiques, par exemple, il y a un bagage qui me songeait vivement dans l'esprit, c'est le site de Pierre Corneille. Le site de Pierre Corneille, côté, c'était un duel entre Don Diego et un lot. Côté que, il était pas l'autre là en calotte. Et puis, monsieur, c'est là, en fait, mon qui était fait littérature pour nous en Haïti, il voulait que nous apprenions ces choses au rage, au désespoir, au vieillesse ennemi. N'ai-je donc pas tant vécu pour cette infamie? Et ne suis-je blanchi dans les travaux guerriers que pour voir en un jour flétri tant de lauriers? Mon bras qu'avec respect tout l'Espagne admire, mon bras qui tant de fois a sauvé cet empire, tant de fois a fermé le trône de son roi, etc. Et puis tout, monsieur, ils vont côté, monsieur, grand monde, monsieur, pas qu'à remettre quoi? Et puis tout, Libral mandait son fils, Rodrigue, pour Rodrigue venger l'honneur de son père. Rodrigue, as-tu du cœur? Aïe, aïe, aïe. Donc, il parle de Rodrigue pour Rodrigue venger l'honneur de son père. Donc, lorsque quelqu'un t'a fait une injustice, ou ça t'a frappé, donc you want, naturellement, vous voulez prendre les choses en main. Vous voulez jouer une opportunité pour capable, eh bien, ranger le mal qu'on t'a fait. Et you want to get even. Et tenez bien sans le réaliser. Pensez-vous, vous entendez ça, Mabdou, là, oui? Pensez-vous, vous nous comprenez? Lundi 23 septembre 2024, Tupac, information, citation, transformation, intégrité, commencer, nous sentir dans la vie, nous nous relis, et mardi 24,
septembre 2024, transformation à continuer. C'est lui qui l'a. Et intégrité. Lui réaliser ce que tu fais, c'est que pendant que vous rentrez dans la logique, ça, pendant que vous rentrez dans la logique, ça, ou même personnellement, pendant que vous rentrez dans la logique, ça, ça qui arrive, ou fourrez tête ou nos spirales de haine. Maintenant, il faut dire que, bon Dieu, Dieu, m'a montré ça, oui. Et m'a pété l'estomac là. Est-ce qu'au prêt, vous avez dit ça, là, là, m'a pété l'estomac là. Dieu, c'est, est-ce qu'au prêt pour bagarre ça, ça m'a pété là. Dieu, bon, dis-le d'une autre façon. La Bible relève mon Dieu, le Dieu des vengeances. La Bible, et c'est ça que t'as l'air là, comme on dit au bagage sauvage, on a dit comme ça, coup pour coup, mon Dieu rit. Gagner, il y a un élément de vérité là-dedans, oui, on va montrer ça tout à l'heure. Mais il est important pour comprendre que la Bible relève mon Dieu, le Dieu des vengeances. La Bible relève mon Dieu, le Dieu des vengeances. Et au cas où vous pensez que, au monde t'a pensé, moi, pour moi qui dépense, papa, au cas où au monde t'a pensé que Sam Abdoula, c'est mentor, dans Somme 94, auteur, Somme 94, la palais, il dit Dieu des vengeances éternel, Dieu des vengeances paraît. La Bible, elle est bon Dieu, le Dieu des vengeances. Attention, papa. La Bible, elle est bon Dieu, Dieu des vengeances. Il dit Dieu des vengeances éternel, Dieu des vengeances paraît. Yeah. La Bible, elle est bon Dieu, le Dieu des vengeances. Now, vengeance dans son bagage que l'homme n'a tel, son bagage qui t'a censé tellement dans nous, dans l'homme non. The best of us, meilleurs, les meilleurs chrétiens, les meilleurs d'entre nous, et nous sommes attirés par la vengeance. Les meilleurs d'entre nous, nous sommes attirés par la vengeance. Les meilleurs d'entre nous sont attirés par la vengeance. Et un nègre qui te les chimé, qui te fait David au bagage, à un moment très difficile dans sa vie. Un nègre qui te les chimé, il me montre à la lumière de la Bible, on va aller rapidement dans deux, il me les a un problème. Dans 2 Samuel chapitre 16, on allait vite. D'abord, je finis avec ça pour aller dans l'autre bagage. Dans 2 Samuel chapitre 16, verset 5 à 8, Gonek qui était les Chimé, David, dans un moment difficile. David est en fuite devant Absalom, son fils. On se rappellera que Absalom s'était révolté contre son. Oubliez-nous, c'est intégrité et transformation qui était faite dans lundi 23 septembre 2024 à 8h du matin. C'est intégrité à transformation ça qui a continué dans mardi 24 septembre, ok, 2024 à 8h dans matin encore. David a dû laisser le palais pour le prendre ragé pour lui, pour le prendre à bois. Donc David, déjà nos positions bas. David, déjà nos positions de faiblesse. Il est en fuite devant son fils. Et tandis ça qui passait dans 2 Samuel chapitre 16, verset. À partir du verset 5. Il dit comme ça. David était arrivé jusqu'à Bahurim. Et voici. Il sortit de là un homme de la famille de la maison de Saül, nommé Chimé, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions. Il nous dit des malédictions, mais version anglaise a dit curses.
Et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs de David, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Oui. Chimé parlait ainsi en le maudissant. Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu occupais le trône. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils. Et te voilà malheureux, comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Oh, David déjà à terre, David en difficulté, et mais Chimé est de la tribu de Benjamin. Chimé, et songez que Saül est de la tribu de Benjamin. Pour Chimé, c'est David qui prend le trône qui appartient à sa race, à son clan. Et mais pendant ça, David, non moment bas, il est en fuite devant son fils Absalom. Chimé sautit pour jouer David. Chimé sautit l'humilier David. Devant tout le monde, il lui jette des pierres. Il traite David comme un homme de rien. En d'autres termes, il humilie David publiquement. Il n'honore pas le roi. Alors que la loi d'Israël dit honore le roi. Et mais Chimé qui vient, non seulement la dit des malédictions sous David, et la Bible dit, il lui jette des pierres, la tire roche sous monsieur. Donc, les traités, te couillons homme de rien. Les traités, David, te couillons vagabond. Aïe, aïe, aïe. David, alors, Abishai, fils de Zeruja, dit au roi, pourquoi ce chien mort? Maudit-il le roi, mon seigneur. Aïe, aïe, aïe. Vous tenez? Et moi, raide, papa, en français. Mais en créole, t'as dit, monsieur, et Abishai dit, pour qui ça chien mourit ça? C'est bon, moi, oui. Pour qui ça chien mourit ça? Pas oublié, non? C'est transformation et intégrité. Psaume 119, là, qui a continué. Et avec citation Tupac, là. Transformation, qui a continué, là. Non? Lundi 23 septembre 2024, mardi 23 septembre 2024. Transformation. Maudit, waouh! Et puis, Abishai était déjà tellement énervé. Abishai dit, quittez-moi, t'en prie, quittez-moi sauter tête, monsieur. Quittez-moi couper tête. Mais le roi dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Teruja? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, voici mon fils qui est sorti de mes entrailles en vue à ma vie, à plus forte raison, ce Benjamin, laisse-le et qu'il maudisse, car l'Éternel lui a dit, peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui. David dit, quittez Michel, peut-être bon Dieu, ah ouais. J'en humilie, bon Dieu, ah ouais, j'en jouerai. Et peut-être, bon Dieu, avec des compassions pour moi, il a fait poter dans la vie, il y a un revers de situation. Mais Bakal a fait David mal. Amen, 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 amen. Bakal a dévoré David. Bakal a mangé David. Ou a songé, le bagage est arrivé, ça dit bien, oui. Ou a songé, bagay ça, et nous ne savons pas exactement qui l'a arrivé, mais il n'est pas arrivé longtemps. Il n'est pas arrivé longtemps après le péché de David. Zactané fait me connaître, probablement, soit Salomon pot ko fait, ou bien Salomon t'est fait, mais quel que soit Jean le taillé, Salomon était très jeune, s'il t'est fait, il était jeune. Kounia, qui rivait côté le pral mourir, David est sur son lit de mort. 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 Dans 1 roi chapitre 2, on va aller rapide. Dans 1 roi chapitre 2, versets 8 et 9. Dans 1 roi chapitre 2, versets 8 et 9. Intégrité. Dans 1 roi et transformation. Et David, roi, quoi, dit, chapitre 2, habitif. Les versets 8 et les versets 9. Et le verset 8,
et 9. Qui ça dit dans 1 Roi chapitre 2, verset 8 et 9? Tandis qu'on dit. Il dit, maintenant, David va mourir et David a bâti des instructions à sa maison et à Salomon qui devait le remplacer. Oh, on va regarder ça dans le verset 1er. Il dit, David approchait du moment de sa mort. Tandis, oui, ça veut dire David. David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Absalom, son fils, en disant, je m'en vais par le chemin de toute la terre, fortifie-toi et sois un homme, observe les commandements de l'Éternel, etc. Dans verset 8, David dit, Salomon, voici, tu as près de toi Chimé, fils de Guéra, Benjamite de Bakourim. Il a prononcé contre moi des malédictions violentes le jour où j'allais à Mahanaïm. Mais il descendit à ma rencontre. Vers le Jourdain. Et je lui ai juré par l'Éternel en disant, je ne te ferai point mourir par l'épée. Maintenant, les David s'est gagné une bataille là et tout David a retourné. Même si mais ça a été joué, il retourné vint devant lui. Et David, peut-être non. Dans élan moment, dans joie moment, tout vécu, ce n'est pas moment pour te péter fier, monsieur. David, juré par l'Éternel que l'a quitté Michel, l'a bas Michel la vie. Et à cause de ce serment, David, pas vraiment, monsieur. Mais dans verset 9, là, il dit maintenant. David prend le bruit, il dit maintenant. Tu ne le laisseras pas impuni. Oh, maintenant. Ouais. Tu ne le laisseras pas impuni. Car tu es un homme sage et tu sais comment tu dois le traiter. Tu feras descendre ensanglanté ses cheveux blancs dans le séjour des morts. J'ai fait une grand monde, bien aimé. Et puis tout, David dit Salomon, mais qui j'aime, je t'aime à quel dégât. Mais qui j'aime, je t'ai traité. Je t'ai fait serment devant mon Dieu pour me battre. Pour me battre le mourir. Prête fiel. Prête. Notre bon créole. Fun can kesli. Prête fiel. Maintenant, il y a un autre choqué. Oui, point d'égout. Il y a David, l'homme selon son, le cœur de Dieu. Il y a une réaction comme ça. Fun can kesli. Pète fiel. Gardez, éclate Zuziel. Donc saisis David en tant que l'homme sur le cœur de Dieu pour le réaction comme ça. Tenez bien. Bon Dieu, pas de problème. Bon Dieu, pas de problème avec vengeance. Bon Dieu, pas de problème avec vengeance. Ni intégrité. Ni transformation. Seulement ça, bon Dieu, pas vrai. Bon Dieu, pas vrai. Que c'est vous-même qui prend vengeance là dans mes mains. Maintenant, bon Dieu, pas de problème avec vengeance. Bon Dieu, pas de problème. Écris ça, oui. Bon Dieu, pas de problème avec vengeance. Bon Dieu, pas de problème avec vengeance. Bon Dieu, pas de problème avec vengeance. On seul bagaille, bon Dieu, dit où? Elle dit oui. On seul bagaille, bon Dieu, dit où? Bon Dieu, dit où? Pas prendre vengeance là dans mes mains. Quittez que c'est lui-même qui prend vengeance. À moi, ici, l'évangile, la belle, monsieur Mater. Oui. Bon Dieu dit comme ça, à moi, la vengeance. Quittez le net, pour ne pas dire, moi, de parole, nous avons un mode, les bails la descendre. Les nappes prétendent de voir, nous disons, moi, de parole, nous ne pouvons pas dire ça. Quittez le net, pour nous qu'apprendre ça.
qui était net, nous on nous dit mettre Paul dans bouche. OK. Et bâchant me fait ça. À moi la rétribution des méchants. Bon Dieu, pas de problème avec vengeance. Il y a un problème avec vengeance. Était net. Bon Dieu, son modèle de justice lié, comme on t'a appelé. Bon Dieu, il y a un problème avec vengeance, hein. Ouais, voir changer, bon bagage. Quelques versets. Bon moi quelques versets. Bon Dieu dit à moi la vengeance. Bon bah au verset rapide. Côté le CRD, c'est à moi. Intégrité, on va continuer. La transformation. À moi la vengeance. Dans le CRD, à moi la vengeance. À moi la rétribution des méchants. Et ça dit oui. Dans Romains chapitre 12, verset 19. Et vous joignez ça aussi. Dans Deutéronome 32, verset 35. À moi la vengeance et la rétribution. Bon Dieu, pas de problème à vengeance. Mais bon Dieu voulait que c'est lui pour faire vengeance. Bon, quelques versets. Les arrivés, mes amis, en allez vite. Écrivez verset pour moi, s'il vous plaît. Verset dans Zizio. Mais qui ça, bon Dieu dit? Dans Proverbe chapitre 20, verset 22. Ne dis pas, je rendrai le mal. Au seul bagage, espère en l'Éternel et il te délivrera. Ne dis pas, je rendrai le mal. Espère en l'Éternel et il te délivrera. Après, et Proverbe 24, verset 29, qui ça dit? Proverbe 24, verset 29. Ne dis pas, je lui ferai. Tenez oui. C'est la Bible qui a parlé, oui. Ne dis pas, je lui ferai comme il m'a fait. Pas dit, bagage ça. Pas dit, ma balle coup pour coup. Bon Dieu dit, ne dis pas, je lui ferai comme il m'a fait. Et tout l'Éternel dit, je rendrai à chacun selon ses œuvres. Selon ses œuvres. Dans Romains 12, verset 17, il dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Aïe, aïe, aïe. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 15, il dit, point de garde, que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. C'est ça la Bible dit. Aïe. Ça veut dire, finalement. Finalement, ça veut dire que c'est Dieu qui est le juge par excellence. Que c'est Dieu qui rend la justice. Bon Dieu dit où? Pas rentrer dans cette logique, la logique de la vengeance. Pour aller peut-être pas pour battre tout. Bon Dieu dit pas rentrer dans la logique ça. C'est-à-dire, au monde fait mal, et puis tout, ou râler, ou veiller, au côté, et puis tout, ou flaque un coup de bois, ou larguer la tête. Bon Dieu dit pas faire ça. Bon Dieu dit, au monde fait mal, et puis tout, ou ballon poison, ou femme comme castré. Bon Dieu dit pas faire ça. Ne rendez jamais le mal pour le mal. C'est ça, bon Dieu dit. Mais bon Dieu dit, même mon Dieu qui dit pas rendre le mal pour le mal, c'est même bon Dieu là qui dit à moi la vengeance, à moi la rétribution des méchants. Ça veut dire. Ça veut dire que quand quelqu'un te fait du mal, oui. Nous bien. Bon, 15 minutes. Ok. Merci. Te fait du mal. Quand quelqu'un t'a malmené ou quand quelqu'un t'a maltraité. Excusez-moi. Pas jamais nourri comment quoi? You are going to get even with that person. Let it go. Pardon. Let it go. Only to let God deal with it. Let it go. Only to let God deal with it. Parce que aussi vrai que mon Dieu dit, ne rendez pas le mal pour le mal, c'est aussi vrai qu'il est le Dieu des vengeances. Il a payé ça. Il
y a des gens qui disent passe. Et est-ce que c'est pour me content? Le ciel méchant pété. Et m'bap d'où faire gros fête. M'bap d'où faire gros fête. Moi j'ai cabri grillé. M'bap d'où faire ça. Mais dans le cœur, on va en paix. Parce que on va sentir que le mal qui a été fait est corrigé. Et the late Reverend Dr. Martin Luther King Jr. said, Aiguille, l'univers est penché sous bon la justice. Le mal, bon façon, est créé un déséquilibre. Et tendez Sam Abdoul Al-Kaedeo. Sam Abdoul Al-Kaedeo, dans plusieurs sens. Un, l'Al-Kaedeo ou même pour capable beaucoup plus conscient de tes actions. Comment action a affecté au monde, comment action a fait ceci. Et gros, pas m'a écrit là. Fais attention. Et ça, c'est conseil. Et monde sale, monde qui vive la vie, ma parole. Fais attention pour ne pas offenser mauvais monde. Parce que gros monde offensé. Gros monde offensé. Les papes baillent tête et repos jusqu'à ce que le pape était fiel. Comprendre que l'inan l'homme n'a même le désir de se venger. Fais attention à qui est-ce. Fais attention à qui monde offensé. Parce que gros monde ou offensé. Gon moun ou offensé, li pap bay tèt li repos, pas avant que le pété fiel. Bon, gon moun ou offensé, li plutôt rentre l'église, li plutôt baptisé, pour le rentre bafalo, pour le pété fiel. L'homme nan li même, li pas capable de vivre avec question. Justice là. Et au compte ça, bon Dieu fait pour bon Dieu aider l'homme, Abel, bon Dieu dit comme ça, ce désir que tu as, pas que bel peut-être tout, juste prendre et puis tout, ben, ben. Let me handle the case. Let me fight your battle. Quitte que c'est moi qui fais justice, pas prendre justice là, non, mais pas fait tête aux justice. Moi-même, bon Dieu dit, moi-même l'éternel, I will take care of it. Ça important pour gagner la paix. Aïe, 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 je me sens que le monde a béni là. Ça important pour gagner la paix. Pour qui raison? L'important pour gagner la paix parce que là où on est que le mal que tu as subi, le mal qu'on t'a fait, et pour Dieu a pas changé. Les crayons bagarrants qui permettent ou pas fragmenter, qui permettent ou être en quai, qui permettent ou qu'il y ait intégrité. Et ça fait un monde qui doit faire un bagarre et tout rire. Et tout le connaît le bon. Ah bon, mon cher. Ah bon, mon cher. Fais la péter quand même. Ne tire pas contre lui. Et l'OM tout fiel, il a pété quand même. Je ne vais pas parler en profane. Je vais parler en homme spirituel. La Bible dit, ne tire pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et ils se flétrissent comme le gazon. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Et le pays pour demeurer la fidélité pour bâtir. N'envie pas ceux qui font le mal. Ne tire pas contre ceux. Fret not thyself against the evil doers. À tête ou la paix, peut-être que tu es quelqu'un qui a offensé l'autre monde. Bate tout la paix et fais attention ou même tout ou pas offenser moun parce que gen moun nan la prend jugement nan men et gen moun nan tout les lois pour tout devant bon Dieu dit Seigneur où est-ce qu'on fait et l'Éternel te dit un bagage m'a dit tant faut me finir avec ça l'Éternel te dit aux bon bagage pingal fait 20 vieux méchanceté pingal fait orphelin aux méchanceté parce que si nous faisons méchanceté yo vinn côté yo relè une responsabilité en tant que juge de toute la terre, pour bah, aux justices.
Pas faire moun mal. Toujours dit nous ça. Pas faire moun mal. Pas prendre mari moun. Pas prendre madame moun. Pas faire menti sous moun. Pas faire moun perdre du travail yo. Conseil de bagay pas faire yo. Pas faire yo. Why? Parce que conseil de bagay l'offel soulever système l'univers contre ou dresser tout système univers contre même. Il n'est pas bon. Donc, que mon Dieu aide-nous à cette fin. Et si au moins. Bon... Vous entendez? Vous ne pouvez pas dire que vous parole dans la bouche. À suivre. Excusez vos téléphones. À suivre, oui. Merci. Fier loi pété quand même. À suivre. Merci.